Coucou! Alors aujourd'hui, je suis super contente de filmer cette vidéo parce que je vais vous faire une vidéo recette et je suis super enthousiaste à l'idée de faire cette recette. Ça va être une recette sucrée. Et alors, ce que je vais faire en fait, c'est des muffins aux dattes et à l'orange et à la cannelle. Et c'est une recette que j'ai trouvée en lisant un peu sur les bénéfices de la date, et il y avait des recettes comme ça, il y avait une recette sucrée, et je me suis dit, oh, il faut absolument que j'essaye ça. Et donc là, ces deux dernières heures, j'ai pas arrêté de penser rien qu'à ça. C'est absolument atroce, je sais, mais vous savez, les dernières heures avant de rompre le jeûne, vous devenez complètement fou, vous voyez les aliments danser autour de vos yeux, c'est complètement surréaliste, mais bon. Je sens que ça va être une recette assez appétissante et je vais essayer de la faire sans sucre. Donc je vais vraiment rajouter pas mal de dattes pour que ça nous apporte le goût sucré. Et je vais utiliser aussi, je vais vous montrer la liste des aliments que j'utilise. Mais voilà, je suis super contente, je suis super enthousiaste. Je sens que ça va être vraiment pas mal du tout. Donc je vous présente tout de suite ce que je vais utiliser pour cette recette. Alors pour cette recette, je vais utiliser de la farine de sarrasin. C'est très similaire à la farine normale de blé qu'on a l'habitude d'utiliser, mais sauf que celle-là c'est au sarrasin, et le sarrasin contient beaucoup moins, voire pas de gluten que la farine normale, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. On va avoir des petites dattes bien sûr. Yummy, yummy, yummy. Je vais aussi ajouter le jus d'une orange. Je vais y ajouter un ou deux œufs. Je vais voir en fonction. Je vais aussi ajouter des graines de lin. Voilà, pour le côté un peu plus fibre, oméga, etc. Et puis on va rajouter du beurre. Beaucoup de beurre, c'est ça qu'on aime. Et puis je vais utiliser un peu de ce sucre là que je vous avais montré dans une autre vidéo, qui est un alcool de sucre et qui est un bon substitut au sucre blanc ou au sucre roux. Donc voilà, c'est la joyeuse compagnie qui va m'enchanter ce soir pour cette recette. Thank you.